Hey, kapow les gens, c'est Troupa pour une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur du Garry's Mod, donc pas RP, Dark RP, mais plutôt du post-apo RP. Donc, je pense que vous connaissez le principe du post-apo, vous avez sûrement dû voir des vidéos grâce à Garry's School ou autre. J'ai pu faire peut-être une apparition, enfin, vous avez dû sûrement voir. Je me suis un peu tapé la honte avec Adam Petrovic, mais bon, c'est pas grave. Et tu vas enrichir autre chose, tu dis bout de son RP que RPQ. Y'a toujours un Q après ces RP de toute façon. Ouais, comme toi, Mia en fait. Hein. Non, mon Mira. Non, non. David, il peut dire que j'ai vachement raté le RPQ. C'est faux, alors là tout à l'heure, je te dis, t'étais chaud, hein, c'était. Ouais, mais en même temps, c'est. Machala plus quoi. Ah, c'était sa première fois, fallait la faire vibrer. Ah, j'ai même pu faire vibrer, là, je l'ai dégommé, je crois. toi, tu vas surtout finir en Mister Freeze. Tu vois, ça gros. Non, j'ai connu. Elle a disparu, dispawn. Tellement que j'ai défoncé. BAM! Ça dégage. Du coup, tu peux ou pas la faire bouger? Genre, tu dis, ouais, faut que je te parle sérieux, seul. Genre, tu sors en fait. Attends. Bonjour. J'ai cru apprendre que vous alliez vous occuper de Mademoiselle Jennifer. Vous inquiétez pas, je suis avec David, je sais très bien ce que vous voulez faire et je m'en contrefous. Ouais. Je manque. Très bien, mais est-ce que je peux juste aller, s'il vous plaît, récupérer l'une des personnes qui est chez elle? C'est un peu. Ouais, allez-y. Allez-y. Non, vous avez plus le temps encore. 8, 7, je déconne pas. Tu vas le faire presser. Non, je ne serai jamais. C'est le but. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, il a passé. Ouais, je sais pas si j'ai mal écrit mon bras, parce qu'en même temps je suis en train de marcher et du coup je sais pas si je fais des foot ou pas, parce que j'ai pas le temps de regarder, je pourrais me prendre un mur ou autre. Quel. Tiens. Putain, mais ils sont sourds ou quoi? Ah, bonjour. Bonjour. Je vais vous parler de quelque chose ou deux. On a un problème. Jennifer? Ça te concerne. Est-ce que tu pourrais fuir par derrière? Deux personnes vont essayer de te tuer. Écoute. Je peux pas en dire plus. Non. Range ton arme. On va la faire contourner, d'accord? On va lui dire. C'est toi qui va m'ouvrir. Non. Mia. C'est un putain de Verdugo. Est-ce que tu sais à quoi il ressemble, ce Verdugo? Réfléchis un peu. Si tu tues, si tu essaies de tuer ce Verdugo, on est tous les deux morts. Même tous les trois. Écoute-moi. Non, ne pleure pas. Tu sais ce qu'on va devoir faire? Jennifer. Tu vas devoir sortir par derrière, ok? Si, tu peux. Ok, viens. Viens, tu restes là, d'accord? Je vais revenir vite. Quel est le code? C'est quoi le code? C'est quoi?
Mais non, pour l'instant, non. Moi et Mia, on va dire que Mia était toute seule ici, c'est elle qui m'a ouvert, d'accord? Merde. Bon, Mia, t'es sûr qu'elle est pas là, Jennifer? Ok. Jennifer, écoute-moi. Ce que tu vas faire, tu vas te planquer derrière, d'accord? Planque-toi derrière, je sais pas où. Tu te planques. Ok. Ah. Ah, tiens. Elodie. C'est quoi cette mallette que tu tiens, là? Donc ça c'est une autre meuf de la Tech Force en fait. Ouais, un peu ouais. Faut que je parle à David. Je suis dans Tex. Bang, bang, bang. Ah, David. Oh, t'es là. Putain. Quoi? Bonjour. Mais quoi? Je pars 2 minutes, je commence à 4 millions de trucs sur le dos. Bon, j'ai besoin de toi. Vite. Faut qu'on parle, vite. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, y'a un ami, je sais pas, je comprends. Ok. Je comprends plus. Bon, c'est pas grave parce que. Moi je vais me foutre chez moi, je vais me foutre assis. Non, faut que je te parle, faut que je te parle, vite. Mais moi, tout le monde veut me parler là. Je m'en fous, viens. C'est important. Viens. Je peux pas, justement, je peux pas. Y'a quelqu'un qui veut me tuer, merde. Qui? Viens. Qui peut me protéger. Viens, moi je vais te protéger, viens. Chez Vertigo. Viens! Non, moi je vais chez Verdigo. Verdigo, je crois qu'il a quitté la ville. Chez Verdigo, c'est foutu. Non, je sais où il est. Il est avec quelqu'un, je sais. Je veux te parler avant, s'il te plaît. Il est parti, mais il revient dans. Viens, s'il te plaît. Faut absolument que je te parle. Merci. On va parler à l'intérieur, ce sera plus sûr. Nope. Attendez, il faut juste que j'envoie un message, je reviens. Juste un message sur la radio, j'en ai pour 30 secondes. Je reste là, t'inquiète pas. Topo, deux personnes veulent tuer Jennifer. Sauf que Mia est très amoureuse de Jennifer. Topo, je vais demander à David s'il ne peut pas couvrir Jennifer le temps que ça se calme. Voilà. C'était un peu un topo rapide, mais c'est tout ce que je peux faire. Merde. David, viens, on a vraiment plus beaucoup de temps, là. Ok, vas-y. Viens. Je te suis, c'est bon ça. Bon, David, je sais que toi, tu aussi, tu veux la mort de Jennifer, et je m'en contrefous, d'accord? Viens. Alors, comment t'expliquer? Bon, Ouais, je sais, mais ça a changé. Avec elle. C'est Adrien. Adrien, je l'ai retenu, je te dis. Je l'ai retenu avec une mastodonte. Il l'a pas eu. Il s'est vénère. Il sait que Jennifer a tué un de ses amis. Là, on peut plus rien faire. Si, on peut faire. Il m'a limite envoyé le Vertigo alors que le Vertigo, il peut rien faire. Je te dis, même moi, je suis dans la merde. Écoute-moi. On peut faire passer Jennifer pour mort. J'ai une solution, et cette solution, elle est trop brutale. On peut faire. Ça, c'est bien. On peut la faire passer pour morte. C'est pas compliqué. J'ai quelques amis hautement dans cette ville, d'accord? Hautement gradé dans cette ville. Du moins, s'il est encore en vie. Mais moi, je connais quasiment tout le monde. Ouais. Donc tu peux me dire sauf cette personne. Et Gadir Walton, ils vont mettre Lurio, Patriarch. Non, faux.
faux. Tout le monde. Faux. Lou, Raccoon. Non, non, c'est une organisation. Oh non. Non. Ah. Secret. Voilà. Dis-moi plus. Dis-moi plus et je veux bien t'aider. Bah, dans ce cas, excuse-moi, Lulu. Tout ce qui est secret, moi, ça m'intéresse. J'ai pas envie de te mêler là-dedans. Est-ce que tu pourrais juste sortir vite fait? À la limite, aller avec Anabi et puis je parle vite fait. Merci. Ah. Bon, je vais t'en parler vraiment qu'à toi, d'accord? J'ai pas le droit. C'est pour ça que je t'ai dit. Je t'ai dit de la faire sortir parce que le Verdigo, il a voulu me tuer. Du coup. Ouais. Mais le Verdigo, si Adrien lui dit un seul mot ou lui envoie un seul message de ce mot, on est tous morts. T'inquiète pas. Comment te dire? J'ai un ami. Ça veut dire qu'il va tous niquer nos mères. J'ai un ami, d'accord, qui travaille. Normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais bon, toi, c'est exceptionnel, d'accord? Travaille dans la Omega. Ok. Ah, mais c'est ça. Je te le dis en vrai. Je te le chuchote. Oh putain. Ok, cool. Si je le sais, si tu le dis ou tu répètes à quelqu'un, je suis mort. Je sais. Ne dis pas. Il m'a pas dit qu'il avait recruté, d'accord. Donc c'est bon, il m'a dit ce qu'il avait fait. Après, je peux pas te dire plus, je peux juste te dire ça parce que je te fais confiance, énormément confiance. Pas plus que ma femme, mais hautement. Merde, c'était 14.3, c'est ça? C'est à peu près tout ce que j'avais à te dire et du coup je peux peut-être demander à... Bah tu... À John. Tu peux mais c'est foutu. C'est vraiment foutu. Hein. C'est Moi je connais un seul endroit où elle peut être en sécurité mais faut pas que je l'emmène. T'inquiète pas, je vais demander à John. Je sais très bien où tu veux l'emmener. Il m'a déjà montré. À John. John. C'est... John, c'est qui, John? Jason, pardon, excuse-moi. Je suis un peu sous le choc. Ah. Tu sais que c'est risqué de faire ça. Je sais, mais Tu sais que si moi il demande et qu'il me menace, je suis obligé de lui dire, hein. Tu le sais très bien, ça. De quoi, pardon, excuse-moi. Que moi je peux rien... Adrien, oui. S'il la cherche et qu'il me dit, moi je suis plus dans la merde. Même si j'ai des très bons contacts partout, je suis vraiment dans la merde. T'inquiète pas pour ça. Non mais quand je dis dans la merde, c'est... Je te rappelle quand même que la... Que la Omega... L'église jamais, et tout. Si jamais... Une personne est ennemie, enfin du moins, est un danger pour l'Omega. Je sais très bien ce qu'ils en font, cette personne. Je sais très bien. Voilà. Donc si jamais Adrien est un problème pour toi, je sais très bien que Jason va essayer d'éliminer. Adrien, il est... Même moi avec mon statut là que tu sais que je vais pas dire. Voilà. Je pense que je pourrais pas le tuer. Parce que pour moi, Jason, c'est mon oui. frère et c'est un peu plus qu'autre chose. C'est beaucoup plus. Et le Verdigo, c'est pas que c'est un des meilleurs mutants que je connais, mais... Voilà.